Tournante depuis 2019, selon les tests de la décentralisation, c'est l'arrondissement de Kourou qui a servi de cadre à la réunion de municipalités de ce mois d'août. Dans ses mots de bienvenue, Étienne Kossou, le chef d'arrondissement de Kourou, a dressé un bilan sommaire des réalisations du conseil communal au sein de l'arrondissement. Nos pistes rurales sont en train d'être profilées. C'est à saluer, monsieur le maire. Les anciens loups sont encore sur place. Monsieur le maire, plusieurs de nos écoles ont été déjà clôturées et beaucoup sont en train d'être clôturées. Vous nous rassurez comme quoi il y aura de l'eau potable dans tous les villages de notre arrondissement. Et ça se fait réellement. La liste ici n'est pas exhaustive. Au cours de la première partie des assises, le maire a échangé avec les populations sur leurs besoins. Des besoins qui vont de la sécurité à l'emploi, les microfinances et les infrastructures. À Djoun, Zé, Souava, nous avons des problèmes de limite pour ces trois communes. On demande des lampadaires solaires dans des villages. La construction des sièges des chefs de village dans les villages, des moyens de déplacement. Monsieur le maire, ça va soulager un tant soit peu les peines des chefs de village. Il nous faut des séances formatives en entrepreneuriat et surtout le financement de nos projets par l'aide de vos investisseurs. Installer les projets de construction agricole dans notre arrondissement afin d'embaucher la jeunesse pour leur épanouissement. Tout en prenant l'engagement de pouvoir à ses besoins, selon les ressources disponibles et l'urgence du moment, Angelo Evariste Arwandinou rappelle à tous l'obligation de participer à la mobilisation des ressources pour le développement de la commune. Et l'engagement des fils et filles de Kourou dans le processus et l'engagement à œuvrer pour la mobilisation des ressources propres en vue de permettre au conseil communal de disposer des moyens pouvant permettre la satisfaction des nombreux défis liés au développement harmonieux et durable des différentes localités de cet arrondissement. Rappelons que la deuxième partie de cette réunion se passera hors des oreilles des populations de Kourou entre les directeurs techniques et les élus communaux.